Oh, tu m'as eu. Oh, des écureuils. Allez, allez, allez. Et le winner est... Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie de chasse. L'objectif de la journée. Alors j'ai eu un petit problème, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Alors on était par ici au début, et quand j'ai lancé ma partie, je me suis retrouvé ici. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter ce coin là, comme on n'a jamais découvert. Donc pour ça j'ai mis un petit marqueur. Donc on va aller se balader dans ces parages là et en même temps ne pas oublier qu'on doit prendre en photo un daim. Donc ça va être l'objectif, puisque je crois que la vidéo précédente on l'a complètement zappé. Hein, voilà. Donc on va suivre le marqueur, donc le marqueur bleu. Et on va essayer de prendre une photo d'un daim. Donc là on est parti pour une demi-heure de chasse. Donc là, sur ma gauche, il y avait un cri d'un renard. Donc, hein. Si vous avez suivi les vidéos, les renards, je m'en occupe plus. Je suis traumatisé. Apparemment, il y aurait des traces. Donc, on n'oublie pas une photo. Et clac, la fly est dans le sac. Bon, j'espère que la vidéo précédente vous aura plu. Bon, comme toujours, j'ai pas de commentaires. Bon, après, voilà. Hein. Donc là, on est parti pour la demi-heure. Je regarde l'heure. Donc là, je cours un petit peu pour aller jusqu'au marqueur. Et à partir de ce moment-là, on ira tranquille. Tranquille et détendu. On s'en est là tranquille. Donc là dans le jeu il est midi 20, 7. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc là j'ai racheté des cartouches pour la carabine, enfin des balles plutôt. Faut bien préciser, une carabine c'est des balles. Donc c'est des petites balles toutes fines là. Alors je connais pas les calibres tout ça, je suis une grosse quiche là-dessus. Et ensuite pour les fusils, c'est des cartouches. Le diamètre il est un peu plus important. Alors, le fusil c'est pour tirer de près et la carabine ça fait peut-être un peu plus de dégâts quand même, mais à longue distance. Voilà, c'est une petite connaissance de base, vraiment de base hein. Faudrait que j'interroge mon papa. Bon, il me dirait tout ça. Allez. Donc là il fait beau. Alors, je ne sais pas si on va avoir de la pluie. Puis en général à chaque fois il pleut. Hop, à chaque fois j'oublie qu'il faut rester appliqué. Avec le clic droit de la souris, il faut rester appuyé. La molette pour viser. Pour zoomer ou dézoomer.
là, il faudra qu'on aille sur notre droite en fait. Ah, c'est pour ça que c'est son cœur. En fait, tu vois, il y a les. D'accord. Je vais te comprendre pourquoi. On m'a rappelé pourquoi. Ok. On va courir un peu par là. Donc là, le vent impeccable. Ah, on est vraiment de les hauteurs là. On va continuer à aller sur la droite là. D'un, très ancienne. Donc à ne pas oublier de faire la photo. Donc faut faire très attention quand vous êtes sur les hauteurs comme ça. Alors, je sais plus si c'était la première ou la deuxième vidéo où j'ai fait une petite chute, je sais pas, comme là par exemple, une petite chute d'un mètre là. Je suis mort. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors du coup, faites bien attention. On ne sait jamais. Très ancienne, à mon avis, elle est pas à côté, à côté. Renard, mais ça, j'en veux pas.
Il a dû tourner là. Il y a d'autres traces un peu plus loin à gauche. À l'ancienne. Là, c'est un lieu où il se repose. Soit il se repose, soit il mange. Ah, zone de passage. Ah, c'est un chevreuil. Ah, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Ah ouais, non, mais par contre, là, on a perdu. On va suivre les traces du daim. C'est vrai. On va faire le daim. Bon, du coup. Je réexplique, on suivait les traces bleues, du coup comme j'ai trouvé une autre bête. Donc, du coup les traces bleues maintenant c'est chevreuil. Du coup les traces que vous suivez pour le daim, ils sont plus bleus en fait. Ils deviennent blanches les traces. Là il faut recliquer dessus, on va reprendre le chemin, voilà. Et ensuite du coup le chevreuil, vous voyez qu'il c'est blanc maintenant. Donc là on va continuer nos traces bleues. Où il a été chié dans la pierre. Balèze, balèze, balèze. Si c'est trop chevreux, on va peut-être le voir là. Hein. Quoi ça? Sais pas si c'est une... Je sais pas si c'est des feuilles marron. Ouais. On va les laisser tranquilles, hein, ils vont nous faire des petits. Moi je vais continuer avec mon daim. Ça retourne en rond.
Du coup, je sais même pas où est-ce que je suis parti par rapport à la carte là. Il m'inquiète. Donc on n'a plus les traces bleues. Pas du tout ça que je voulais faire. Ça fait quoi le dent là? En fait là j'ai perdu les traces du daim dans ce qui me plaît pas là. On va se prendre une averse. Moi qui vaut le dé. Ah mais j'ai pas envie de vous tirer dessus. Par là, okay. Après ça va par là. Là ça part à l'autre côté. On a fait demi-tour et tout là. Là il va par là. Une crotte là-bas. Très ancienne, ok. Oh, tu m'as eu faux de l'écureuil. Allez, allez, allez. Et le winner is... Oh, j'en connais quelques-uns qui les auraient tirés dessus. Ben, je sais pas. On prend plus trop les traces, là. Perdu. Enfin, je suis perdu, façon de parler, mais je comprends plus trop les traces là. Là, on en est déjà à 20 minutes de chasse. Serait-ce une vidéo bredouille? Ou bien? C'est pas la peine d'aller trop loin de toute manière. Là. Le daim m'a porte m'a tendu un piège. Ça fait quoi lui? Ça va par là. Ok. Il va par là. Là. Il a chié ici. Et après? Il sera revenu sur ses pas. Si je reviens sur les pas.
en arrière. C'est là? En avant. Là, il y a une musique là. Et là, ça repart en arrière. Moi, pas comprendre. Le renard, il cherche. Hein. Il cherche la merde, le renard. Enfin, ouais, je comprends pas trop. Là. Mais moi je veux pas, je suis là, moi je suis pas, moi. Et arrivé là, pas rien. Prendre de la hauteur au cas où. Là, il m'a eu emboté le dain, là. Il m'a eu emboté. Et je vois pas d'autres traces bleues. Du coup, chevreuil là, avec tout le bruit que j'ai fait, là. Ouais, je suis le chevreuil. Mais... ça va être Wallou la brillette. Ah, mais à tous les coups. Chevreuil, ils sont deux là. Oh, le chevreuil. Là, le dain, il m'a bien eu, là. Là, il a été balèze. Il a été balèze. Il nous reste 5-10 minutes de chasse. Alors en fait j'ai tout perdu en fait.
crois que le chevreuil il est complice avec le daim. Je sais pas pourquoi, mais. En temps normal. Ouais, j'en fais la même bêtise. En fait, comme il y en a deux ou trois, en train de faire plusieurs traces en même temps. Et là, c'est la merde. La merde, c'est la merde. MDR quoi. Et ils sont complices, c'est pas possible. Je suis jamais éloigné de. Bon, je crois que pour aujourd'hui, l'objectif, enfin les objectifs sont capotés là. Là, c'est. Voilà la balayette. Hein. Un petit lapin. Ouais, on y en fera un autre. Allez, saute. Un petit trou. L'ancienne. Alors les plaines comme ça, c'est kiff-kiff. Kiff dans le sens où vous pouvez les voir de loin et les suivre de loin, mais il faut savoir que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que eux ils peuvent vous voir aussi de loin. Et plein comme ça, c'est bien et pas bien. Et là on le voit de loin, mais lui il peut nous voir aussi arriver. On va faire ça, c'est le celui-là à mon avis. On va faire, c'est sûr. Par contre, dans quel. MDR.
MDR. Ouh, oh, c'est pas ma journée. Non, mais je crois que t'es pas ma journée de chasse. Ah, il est là. Je le voyais plus. On va essayer de se rapprocher au maximum. Non, il n'a pas disparu quand même. Il n'a pas osé quand même. Oh, c'est un dent en plus. Là, c'est compliqué, ça va être très compliqué parce que, comme je vous disais, nous on les voit, mais eux ils nous voient. Donc là c'est... Ouais, il est parti où lui? Wallou la balayette, bon bah... On vient de franchir la barre des 30 minutes là. Bon voilà, après hein, chaque vidéo on peut pas toujours avoir des prises. Moi je dis c'est ça qui rend les vidéos assez intéressantes, que on n'est pas censé de toujours attraper quelque chose. Même les vrais chasseurs quand ils partent en chasse ne n'attrapent pas toujours quelque chose. Donc voilà, donc là c'est pareil. Et sinon ça peut durer un bon bout de temps, mais il est parti pas là. Puis là je vous dis, dans les plaines c'est très 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 très. Hop. Bon. Sur ces belles images, bah, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas spécialement passionnant, je vous l'accorde, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la chasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude, même si vous n'en mettez jamais. À partager la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, et bien entendu je le dis jamais, mais n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne chasse à vous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Ciao ciao ciao.